Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la promotion de l'épisode 2 Mad Max. Donc chers amis, nous allons chercher, commencer par aller chercher la carrosserie qui est ici. Ensuite on ira se faire donc... Tiens, il y a deux informations là, c'est marrant ça. Ah, c'est parce qu'on n'a pas fait la zone, ok, d'accord. On ira se faire donc les deux camps, qu'on peut trouver ici et ici. Ensuite, on ira, dans le prochain épisode, je pense, dans cette zone en tout cas. Et ensuite, je regarde vite fait si on n'a pas une ferraille, un truc sympa à trouver, apparemment non, mais de toute façon, il faudra qu'on roule dedans pour s'en rendre compte. Dans cette zone, on ira sans doute faire les différentes choses à faire, c'est-à-dire, autrement dit, le convoi, les trois épouvantails. Et les deux camps, plus peut-être la course, normalement. On fera la course, je pense qu'on la fera. On aura aussi deux champs de mine à trouver. Ok, parfait. Bon bah on commence par ça et on y va, chers amis. Hop, c'est parti. J'espère que tout va bien pour vous, j'espère que cette série vous plaît. Moi je prends mon pied vraiment sur Mad Max, hein, autant le dire. Hop. Bon après je n'ai qu'une hâte, Fallout 4, tout simplement. Après, on verra ensuite ce que ça donne. Là, en ce moment, sinon, en dehors de YouTube, entre guillemets, je joue beaucoup à Guild Wars 2, donc, qui est passé en free-to-play il y a pas longtemps. Donc, si vous voulez me voir dessus, bah, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais peut-être faire quelques vidéos dessus. De retour, parce qu'on en avait déjà au début. Donc, on va se mettre en vue à la première personne. Hop. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu gueules comme ça ? Hop là. Donc on va aller chercher cette carrosserie, je me demande c'est laquelle à vrai dire. Ça c'est le campement. Bah écoutez, on va faire le campement d'abord. Allez, tombe. Boum! Tombe! Parfait, je pense que je l'ai eu. Hop! Crac! Ensuite! On a là-haut. Et hop! Et ensuite... Ah, on n'est pas passé. Retentons notre chance. Salut les mecs! La forme! Ah, mince, j'ai pas vu, j'ai me suis bouffé un truc je crois. Boum! Raté! Hop! Boum! Voilà! Bon, de ce côté-là, ça se passe plutôt bien, chers amis. On va récupérer ce qu'il y a à récupérer sur les cadavres. Une pièce de ferraille, c'est pas top. On a trois emblèmes, 10 ferrailles et une pièce puits de pétrole. Et je pense que pas trop loin, on doit aussi avoir un véhicule spécial. Ah, ils m'ont vu apparemment, mais... Je ne sais pas du tout où ils sont. Hop. Allons-y. Ok. 1 et 2 et 3. Salut les mecs. Alors, qui veut se la mettre? Raté. Raté. On va essayer de faire les combos les plus rapides, le plus gros combo possible. Ah zut. Je suis mauvais. Ah zut, j'ai pas vu, mais non, je suis... Ah bah. Voilà, ça m'apprendra. Ok. Hop. Mais non, il a tourné.
Mais non, oh mais non, c'est faux, c'est entièrement faux, je prends des coups, je sais pas pourquoi. Et non. Bouffe. Voilà, bah c'était nul la fin du combat, dis donc. J'ai vraiment été très 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 mauvais. Mon couteau. Hop. Je vois le machin de Scrotus juste ici. Des pièces juste là. 11 réservoirs à péter, bah putain. C'est un gros en plus. Et de 1. Faites 2 au total. Et de 2. On a une échelle par ici, on y va. Bouf. Abattage au sol. Boum. Ça c'est fait, chers amis. Bon. Hop. Ah, la voiture, la voilà. D'accord. Alors. Qu'est-ce qu'on a par là ? Ok. Ah bah, je l'ai pas enflammé. Oui, effectivement, ça a beaucoup moins bien marché. Hop. Les munitions en prennent un grand coup dans le nez, mais c'est pas grave. Cinquante fûts rouges, bah ça c'est fait, ça va péter. Hop, nomade béni niveau 7. On évolue tranquillement, chers amis, on devient de plus en plus balèze. Hop les. Qu'est-ce qu'il y a par là? Rien du tout. Ah, ça m'étonne ça. Ça m'étonne. Bon, allez, du scrap. Ok, ça je casse. Parfait. Là j'ai du scrap. Encore mieux. Cette zone là normalement elle est plus ou moins faite. On continue. J'en ai même derrière moi encore que j'ai loupé. Donc ça m'intrigue. Ah, on n'est pas allé voir là aussi. Là il y a de la vaisselle. Oui, alors ce que j'appelle de la vaisselle, j'y pense comme ça, chers amis. Ce que j'appelle de la vaisselle, c'est uniquement parce qu'elle est pendue comme ça en fait. Hein. C'est pas de la vraie vaisselle. Hein. Vous avez remarqué, c'est des pièces de voiture quand même. Donc il me faut encore 2 emblèmes et un puits de pétrole que je n'ai pas trouvé. C'est marrant ça. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? D'accord, j'ai tout fait là. Ah non, il y a une petite zone derrière, regardez. Regardez ça. Non, il y a rien. Il y a rien du tout en fait. Mais c'est le genre de choses là qu'il faut que je fouille quand même. Normalement. Hop. Alors, j'ai 130 FPS pour une raison complètement inconnue. Voilà, retour des 60. Incompréhensible. Où est-ce que c'est supposé être? Parce que c'est pas comme s'il m'en manquait une, en fait, il m'en manque plusieurs, mais vraiment plusieurs. Donc là, on est d'accord, c'est la sortie. Ah, là, ça m'intrigue. Parce que non seulement je ne les vois pas, mais en plus, je me répète exprès pour vraiment insister dessus, c'est que... Elles ne semblent pas affichées sur la carte. Enfin, elles sont affichées sur la carte, mais nulle part d'autre.
J'ai cru entendre un mec crier, mais... Alors... Je ne comprends pas. Il y a un endroit que j'ai pas dû voir, mais on avait une descente quelque part. Petit bout de Dinky D, on va prendre ça, ça va nous régénérer un petit peu. Hop, parfait. Mais ouais, il y a clairement un truc que j'ai pas dû voir. Alors, sauvegarde. Si tu le dis. De retour à 30 FPS, je ne comprends pas pourquoi. Ah, le voilà. Nous y voilà, chers amis. Je pense que c'est ça. D'où le fait qu'il n'y ait pas d'informations sur ce truc-là. Ok. Sauf si c'est l'entrée. Est-ce que ce serait une entrée secondaire, simplement? Ah non, il y a un truc dedans. Il y a bel et bien un truc dedans. Ça, c'est cool. On y va. Salut les mecs. Boum. Désolé. Désolé. Aïe, je me le suis bouffé. Bam. Voilà. Bam. Voilà. Et il y en a d'autres qui veulent négocier. Non. Tant mieux. 1, 2 et 3. Là-bas il y a une échelle, mais c'est quand on viendra. Eh ben il est vachement bien ce truc. Il est drôlement long par contre. Moi qui avais prévu plein de choses, me voilà baisé. Donc il y avait bel et bien un passage. Tout ça pour une scrap. Hop, ça m'en fait 6 sur 10, c'est beau, c'est cool, c'est déjà ça de prix. On monte. Là, il y a une manivelle. Cassons la manivelle. On peut voir aussi la scrap, les deux scrap, enfin non, une scrap au-dessus. 3. Hop, parfait. On se dépêche. Réservoir de carburant. Hop. Il y a donc bel et bien une scrap juste ici. Il y en avait une au-dessus là-bas aussi. Apparemment, il y a un emblème aussi là-bas. Autrement dit, il y a plein de choses. Alors. Je n'ai plus que 4 balles. Ça, c'est plus ennuyeux. Hop. Tu me diras, il reste 3 trucs. Donc, ça pourrait être parfait. Ah, il y a encore des gens. Boum! Et la gorge! Et la nuque! Ah non, l'épaule! Alors. J'aimerais redescendre là. Merci. Aller chercher le reste. Voilà, ici. Parfait. Donc, ça, j'en ai pas besoin. En tout cas, pas pour le moment. Et là, on peut remonter. Hop! Par contre, ça, c'est balèze. Il a réussi à translater vers le haut. Autrement dit, à s'envoler. Nous sommes à 9, il ne nous reste plus que 2 ferrailles à trouver. J'en ai une devant les yeux. C'est marrant ça, ils avaient des maths là. Intéressant. L'emblème, on le pète. Parfait. 2 sur 3. Je n'ai cependant pas vu le troisième. Ah ah, ça remonte par là. Parce que là on est au niveau de l'entrée. Oula, ça c'est con ce qui est arrivé mon pote. Voici donc là. Truc. Puits de pétrole, parfait. Il me manque cependant plusieurs choses. Il me manque en l'occurrence le dernier
truc de transfert, il est là. Ah, il y a un passage là, vous avez vu? Ah non, il y en a deux en fait là. Et là, il y a un passage. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, voilà le dernier emblème. Santé au max, pas besoin. Hop, parfait. Santé 2 max, pas au max, c'est débile. Alors, voilà, 3 sur 3. Il nous reste donc plus que les réservoirs à casser, génial. Nomade, niveau 8. GG les gens. Donc ça en fait un là. Parfait. Un là. Apparemment ça a pété les deux, d'accord, ok, parfait. Bon, on l'a réussi, chers amis. Parfait. 100%. Génial. Maintenant, ce qu'il va nous falloir, c'est remonter. Alors, je vais quand même aller chercher l'échelle. Hop, on va baisser le niveau là. Oui, ça baisse dur, c'est cool. On va ramener la voiture chez JIT. Au passage, on va quand même aller chercher la carrosserie. Ah, ouais, mais non, ça va me ramener. Ouais, d'accord, bon, bah, c'est pas grave. Donc certains, je pense que certains vont être d'accord avec moi si je dis que chez JIT ce n'est pas terminé. Apparemment il demande plus de ferraille. Donc en fait voilà, je vais vous montrer, je vais expliquer ce que je pense. Je pense que le fait que, vous voyez, regardez, 1500 ferraille, livraison. Je pense que ça veut dire qu'il faut que maintenant je lui donne 1500 de ferraille pour améliorer encore une fois le truc. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est logique. Ça me semble pas trop mal pour autant. Donc je vais aller voir, parce qu'en fait on a vu dans chez Gutgash qu'il y avait un deuxième endroit pour poser en fait de la ferraille. Donc voilà, c'est ça le truc. C'est ça qui m'intrigue. Donc s'il y a un deuxième endroit, d'ailleurs je suis pas allé voir, tiens, en fait. Gutgash. Vous voyez, 1500 de ferraille aussi. Alors que chez Gutgash, il y a un deuxième endroit pour poser la ferraille. Donc je pense qu'avec 1500 de ferraille, je pense qu'on a combien là? Niveau ferraille, on est à 1270. Quand on aura les 1500, on pourra aller, je pense, en donner là-bas chez JIT. Une fois qu'on aura fini chez JIT, on passera bien sûr chez Gutgash, etc. comme d'habitude. Oula, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce qui était prévu. Bon, il y a deux voitures en sortie, vous avez vu. Donc si on peut les esquiver, ce serait cool. Ah bah là, c'est ce que j'appelle une esquive aussi. Oula. Là, je pense pas que je pouvais mieux les esquiver encore. Soyons honnêtes, il n'y avait pas de meilleure esquive que celle-là. Là, s'il me repère, c'est que je me pose des questions. Bon. Maintenant, on se dirige vers la fameuse carrosserie, chers amis. C'est pas du tout comme si mon timing avait été complètement bousillé. Ah, il est monté le sac. Hop les. Eh bien. Boum. Aïe. Ah bon, bah apparemment j'ai gagné un niveau. Hop les, flamme, blam. Ça c'est fait. Allez bien finir les choses. Crac. Le couteau je le prends parce que vous voyez qu'on est rac-rac niveau munitions de tout à peu près. Là il y a clairement un truc à ouvrir avec là. Deux ferrailles à trouver plus une munition. Plus bien forcément la carrosserie. Récupérer la carrosserie. Carrosserie débloquée. Dairola. Bah il me l'affiche même pas. Ah si, ça y est. Aperçu. Oh oh. Elle est jolie. Très old style, j'aime beaucoup. Alors, on va reprendre la voiture, vous allez comprendre pourquoi. Hop les. Ça je m'en doutais. Crac, allez on y va. Oh, elle crache des flammes au sol, quoi. Alors. Hop, les. Parfait.
des charges explorées à 100%. Et je pense, chers amis, sans trop me tromper, qu'on va se laisser là. Quoique, attendez, il y avait peut-être. J'ai vu un autre truc une fois par là. Voilà, on va aller chercher celle-là. Et ensuite, on ira faire dans le prochain épisode le deuxième campement de la zone. Je suis désolé, malheureusement. N'attendez pas à ce que le premier soit aussi long. Ah, puis là, il y a une quête, une espèce de quête de ramassage. C'est un champ de mine. D'accord, oui, j'avais pas compris. Ok, je comprends mieux pourquoi maintenant il y a un mec au milieu, quoi. C'est pas grave, on va le laisser là. On viendra faire les champs de mine d'un seul coup, chers amis. On passera un épisode à faire les champs de mine de cette zone-là. Et vous verrez que ça ira peut-être un peu mieux comme ça. Alors, allons-y. À droite. Droite. Petit coup d'accélération. She flies! On n'a pas entendu celui-là, c'est marrant. Alors, apparemment, c'est pas sous cette entrée-là. Ce sera plus par le haut. Et par le haut, c'est par là. Ah! Je vous ai trouvé! Hop, il y a un. Il y a un jump juste à côté, donc on va garer la voiture là. On ira faire le jump. Avant de se laisser. Boum! Ah, j'ai paré trop vite. Casse-couille. Tiens. Boum. J'aimerais faire un combo assez important, mais c'est pas simple, simple, simple. Simple, 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 simple. Alors, là, on a l'élément de projet. Toujours pour get gâche, hein, je rappelle. Hop. Ferraille. Et ceci. Parfait. Ça fait du mal par où ça passe. On va aller récupérer même ça. Un peu de chance, on va tomber sur des choses qui nous intéressent. Non, que de la ferraille. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Je vais faire le saut tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. On peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire gamespet.com qui m'a gracieusement offert le jeu et je les en remercie. Quant à moi, je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Wouhou. Hop les... Faites pas ça chez vous.